à toutes et tous. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo très particulière. Ouais, assez particulière. Nous avons été contactés par une école, l'école à Verdal en France, l'école Saint-Jean. Oula. Les gens. Tuskaira, excusez-moi, c'est pas comment ça se dit. Tuskaira. Et on a été contacté par une classe de CE1 et CE2. CE2 avec des enfants de 7 et 8 ans. Et qui ont plein de questions parce qu'ils s'intéressent au tour du monde, au voyage. Voilà, cette année c'était un projet scolaire. Ils ont une page Facebook, vous mettra leur page Facebook en lien. Voilà, et puis ils ont plein de questions à nous poser. Ouais, ça nous plaît, c'est chouette. Ça nous plaît énormément parce que ce sont des questions qu'on ne pose pas en tant qu'adulte. Et donc nous allons répondre à ces questions de suite. Allez hop, c'est parti. C'est parti. Première question de Victor. Par quel pays vous passez pour aller à votre point final? Alors, pour aller à notre point final, déjà, est-ce qu'il va y avoir un point final, Victor? Eh bien, on ne sait pas trop, parce qu'on en est à notre deuxième tour du monde. Et donc, le premier voyage, on est parti de Nouvelle-Calédonie, qui se trouve par ici. On est passé par la Papouasie, l'Indonésie, la Thaïlande, on a traversé l'océan Indien, Madagascar, Afrique, Afrique du Sud, Namibie, hop, 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 on a traversé. Pour arriver au Brésil, on est remonté par plein de pays, par ici, les Antilles, traversé Panama, pour arriver en Polynésie et retourner en Nouvelle-Calédonie. On n'a pas vraiment de destination finale. Il y a notre fils et sa petite amie qui sont actuellement en voyage. Au moment même où on vous parle, ils sont partis des Maldives et ils sont en train de partir en Tanzanie qui est ici. Et le but, ils ont un bateau qui est différent du nôtre. Ils ont un monocoque, nous on a un multicoque. Et le but, c'est de se rejoindre un jour en Patagonie, pas loin du Cap Horn, et passer les canaux de Patagonie ensemble, entre parents et enfants. Alors, on a Louise qui nous demande, avez-vous vu le carnaval du Brésil? Alors, nous n'avons pas vu le carnaval du Brésil, mais nous sommes restés au Brésil 3 mois à peu près, non? C'est ça, hein? La première fois où on y est passé 3 mois, voilà. Mais ce n'était pas la période du carnaval. Ce n'était pas la période du carnaval, mais par contre, les Brésiliens, ils ont le sens de la fête dans le sang. Ils s'amusent tout le temps. Ils sont toujours en train de danser et tout, et nous étions dans la région de Cabedelo. Et le samedi, il y avait sur la grande place de Joan Pessoa, tous les Brésiliens se réunissaient. Il y avait des concerts et tout le monde dansait. C'était vraiment très très sympa. Il y avait des barbecues, des brochettes. Et on suppose que le carnaval du Brésil, ça doit être vraiment quelque chose. Mais ça. Et on y était aussi au Brésil pendant la Coupe du Monde. Voilà. Par contre, ouais, nous étions. Nous, on n'est pas très foot, mais c'était incroyable. Ceux qui suivent le football, faire la Coupe du Monde au Brésil, c'était une grande fête. Eileen, quelle est votre prochaine destination? Alors, notre prochaine destination, Eileen, c'est un peu compliqué parce que vous êtes au courant qu'il y a une pandémie et puis ce vilain virus qui nous empêche un peu d'aller où on veut. Donc, on ne sait pas trop encore. Là, nous sommes en Guyane et puis peut-être irons-nous à Grenade. Et selon les pays qui vont se débloquer au fur et à mesure, qui vont ouvrir leurs frontières. Voilà, pour l'instant, telle prochaine destination, donc Grenade, c'est au sud des Antilles. Et voilà, on n'est pas très sûr encore. Grenade, Venezuela, Roques, votre maîtresse va montrer tout ça sur la carte. Alors, on a Ambre qui nous demande combien d'années votre voyage va durer, capitaine. Combien d'années? On ne sait jamais en fait. On ne sait jamais vraiment combien de temps ça va durer. C'est selon notre envie, selon nos finances également. Parce que il faut faire des sous aussi. On travaille un petit peu. Et là, ça fait, on peut répondre à la question, ça fait 3 ans que nous sommes partis. On est parti en juillet 2018. En juillet 2018. Donc ça va faire bientôt 3 ans. Ça va faire bientôt 3 ans. La Polynésie qui nous plaît beaucoup, peut-être irons-nous en Polynésie, mais on n'a pas d'endroit où on doit s'arrêter. Julia, comment faites-vous pour laver le linge? Alors Julia, nous avons une machine à laver. Elle est petite, mais elle nous convient très bien. Et puis c'est le capitaine qui fait les lessives. Voilà, c'est moi. C'est pas madame. C'est monsieur qui fait les lessives. Alors avant, sur le premier bateau, on n'avait pas de machine à laver. Donc on mettait dans une bassine et avec les pieds. On lavait avec les pieds. Voilà, on mettait la lessive et on lavait avec les pieds. Alors on a une question de Romain. Que ferez-vous après le voyage et où? Après la fin du voyage. Oui. Et où? Alors où? On ne sait toujours pas, comme on disait tout à l'heure. Et après la fin du voyage, nous on a une petite vie d'aventurier, on n'est pas vraiment des aventuriers, mais voilà, on profite de la vie. Et ce qu'on va faire après la fin du voyage, on espère que le voyage se terminera jamais, mais il va falloir que nous travaillions pour repartir, ça c'est sûr.
Donc on trouvera une idée et puis on continuera sûrement à voyager encore et encore. Voilà, après la fin du voyage, voilà, je pense que c'est notre vie. Voilà. Peut-être qu'on en fera un troisième. Ouais, troisième tour du monde, ou quatrième, ou cinq, ou six, et on vous emmènera sur notre bateau. Tom, pourquoi avez-vous changé votre bateau ? Alors, pourquoi on l'a changé ? On a eu notre premier bateau pirate.com en 2006 et nous avons appris sur ce bateau. On a fait un voyage en famille sur ce bateau. On a vécu 11 ans sur ce bateau et c'est un bateau qui avait plus de 30 ans. Et nous avons décidé de faire une nouvelle aventure sur notre fiston. Et puis voilà, on avait envie de changer de bateau aussi. Notre fils, il avait été un peu plus âgé que vous. Il avait 12 ans quand on est parti. Et il a fait l'école à bord du bateau, par les cours du CNED. Ce sont de l'école par correspondance. Nous étions son professeur. Voilà. Nouvelle aventure, nouveau bateau. Notre bateau, nous l'avons laissé en Nouvelle-Calédonie pour acheter... ce catamaran Black Lion. Alors capitaine, on a Isis qui nous demande qu'avez-vous vu comme animaux et avez-vous vu des animaux dangereux? Oh là là, je ne pourrais pas faire la liste tellement qu'elle est longue, mais des animaux dangereux, on en a vu crocodiles, requins, tigres, araignées, serpents, caïmans, lions, guépards, rhinocéros, girafes, hippopotames. Ouais. Trouvez-nous un animal que vous pensez qu'on n'aurait jamais vu. Je pense qu'on a vu des centaines, des centaines d'animaux dangereux. Et des animaux gentils. Et les gentils aussi. Évidemment. Voilà. Lola, est-ce que vous reviendrez en France ? Alors, est-ce qu'on reviendra en France, capitaine ? Ben, en fait, en France, on y est là. On est en Guyane. Je pense que tu veux dire en France métropolitaine. Pour l'instant, on ne va pas y retourner. Et puis, on est des citoyens du monde, on voyage partout. Et la chance qu'on a en France, c'est qu'on a des îles un peu partout dans le monde. Dans le Pacifique, dans l'océan Indien, en Atlantique, il y a Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Mayotte. Donc, il y a plein d'endroits Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, dans tous les océans du monde. On a beaucoup de chance. L'océan Indien, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. La France a énormément de territoires. Des départements, territoires, voilà, qui appartiennent à la France. Donc, on a beaucoup de chance pour ça. Mais pour l'instant, le projet n'est pas de rentrer de retourner là où vous êtes, vous, en France métropolitaine. Alors, Marius, on a une question. C'est comment avez-vous passé le triangle des Bermudes ? Alors, désolé de te décevoir, Marius. Nous ne l'avons pas passé. Voilà. Donc, à mon avis, vous avez appris avec votre maîtresse. Le triangle des Bermudes, c'est celui-ci. Entre la Floride, les Bermudes et Porto Rico. Par contre, allez hop, vous nous suivez. On va vous montrer où on est passé. Voilà. Nous avons fait ce qu'on appelle la ceinture de feu. Nous sommes passés par le Vanuatu, la Papouasie, les Salomons, la Papouasie, les Philippines. Et là, vous avez énormément de volcans en activité. Des fois, il pleuvait, ça nous brûlait la peau. Les gouttes d'eau nous brûlaient la peau. En fait, la pluie acide. C'est de la pluie acide due au volcan. Ouais, on s'est arrêté sur des îles où on ne savait même pas, mais le volcan était en activité. Ils avaient évacué tout le village. Et nous, on est arrivés avec nos gros sabots dans le village, en disant tiens c'est bizarre et il n'y a plus personne et tout. Et en fait, 24 heures avant, le volcan était rentré en éruption de l'autre côté de l'île et tout le monde avait été évacué. Et nous on ne savait pas. Voilà, on s'est arrêté aussi en Papouasie dans une ville qui s'appelle Rabol, où il y avait eu un volcan qui s'était mis en éruption avec beaucoup de poussière noire. Il y avait plus de 10 mètres de cendres sur la route. Ils avaient évacué la route 10 ans après, jusqu'à 10 mètres de hauteur de cendres. Capitaine, nous avons Joanne qui nous demande est-ce que la navigation est difficile. On va pas vous mentir, hein, les cocos. Il y a des fois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Il y a des fois, oui, on a eu des grosses vagues. Une fois dans le Pacifique Nord, c'est l'endroit où nous avons eu le plus peur. Pendant une nuit, il n'y avait pas de vent. Nous avancions tout doucement au moteur et on avait un tout petit bout de voile devant notre premier bateau, pirate.com. Et d'un seul coup, vers 1h du matin, on a entendu comme un train en plein milieu de l'océan. On a entendu un bruit assourdissant et qui arrivait de très très loin. Et ça nous a réveillés. Et là, d'un seul coup, le vent s'est mis à souffler. Les vagues ont commencé à monter. Le vent s'est engouffré dans le bateau. Ça faisait du bruit. Les bâches tremblaient. La voile bougeait comme ça. Voilà. Magali, elle priait.
Et je crois que c'est un des endroits où nous avons eu le plus peur. Mais ça n'arrive pas si souvent que ça. Hein. On va dire avec 90% du temps, c'est toujours que un, voilà, c'est que du bonheur. Et des fois, pendant 10%, c'est très difficile. Voilà, c'est un peu ça le prix à voilà, c'est le prix à payer pour voyager comme nous voyageons. Question de Lise. Allons-nous faire un troisième tour du monde? Bonne question encore. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances parce que ben, cette année, une fois de plus, vous savez, avec le coronavirus, il y a plein de pays où nous n'avons pas pu nous arrêter. Parce que les frontières étaient fermées, donc il a fallu passer les pays pour aller en trouver un autre qui voulait bien nous accueillir. Et du coup, on en a loupé pas mal. Donc, il y a de fortes chances que nous partirons pour un troisième tour du monde si on gagne assez d'argent en travaillant. Et peut-être un quatrième, un cinquième, qui sait? Un sixième, un septième, peut-être. Un huitième. On ne sait pas. Alors, question de la petite Virginie. Mais ah non, ça c'est votre maîtresse. C'est votre maîtresse. Alors, la maîtresse demande, travaillez-vous dans les pays que vous traversez? Alors, eh ben, au premier voyage, Virginie, nous étions, nous arrêtions dans les pays et en fait, on cherchait des articles dans les pays pour les revendre en Nouvelle-Calédonie. Parce que notre point de départ était en Nouvelle-Calédonie et à la base, nous sommes commerçants tous les deux. Voilà, et c'est comme ça que nous avons financé notre premier voyage. Par exemple, au Brésil, nous achetions des hamacs. Magali repartait en avion en Nouvelle-Calédonie et elle revendait les hamacs que nous achetions au Brésil. En Thaïlande, on achetait des sarouels, de tout en fait. De tout. Et c'est comme ça que nous avons financé nos 6 ans de premier voyage. Mais je repartais en 6 ans, je suis repartie 17 fois en Nouvelle-Calédonie. Et le deuxième voyage, quand nous avons terminé notre premier tour du monde, nous avons créé une société en Nouvelle-Calédonie qui a très très bien marché et qui nous a permis de pouvoir repartir en deux ans sur ce deuxième tour du monde. Voilà, c'est une vie. C'est une vie quoi. Voilà ma petite Virginie. Voilà Virginie. Ensuite tu reposes une deuxième question. Vous posez, oh pardon maîtresse. Oh pardon. Voilà, la maîtresse, t'exagères. Pardon maîtresse. Comment faites-vous si vous vous disputez? Alors ça c'est pas compliqué. Je vais répondre à cette question. Non, moi je suis capitaine. Quand on se dispute, je pousse Magali à l'eau. Mais ça dure jamais très longtemps. Après j'ai des remords. Et je fais demi-tour et je retourne la chercher. Non, sinon l'avantage du catamaran, il y a deux coques. Voilà, un dans chaque coque. Un dans chaque coque, mais ça dure jamais très très longtemps. Si vous êtes arrivé une fois, nous avions notre premier bateau, on devait s'accrocher à une bouée. Il faut attraper un anneau et mettre un bout dedans. Une corde quoi. Hein. Voilà, une corde. Et je m'avance avec le bateau et Magali devait attraper la bouée. Et on a une espèce de manche, ce qui s'appelle une gaffe, pour attraper la bouée. Voilà. Voilà. Et on essaye une première fois, elle rate. Donc j'ai fait tomber la gaffe à l'eau. En plus. Deuxième fois, on y retourne. Deuxième gaffe. Et là, j'essaye avec une autre gaffe, mais celle pour le poisson. Pour le poisson. Elle et rate. Je loupe aussi, j'ai fait tomber à l'eau. Et troisième. On avait un balai brosse, on n'avait plus de gaffe pour attraper. Et moi, c'est pareil, je débutais, donc je ne sais pas trop comment manipuler le bateau. On commençait un peu à s'échauffer, à se disputer et tout. Et on voit le balai brosse. Et j'attrape la bouée avec le balai brosse. On a réussi à s'accrocher à la bouée, mais on s'est disputé. Et pour l'anecdote, on se boudait chacun de notre côté, elle sur la coque tribord et moi sur la coque bâbord. Et notre fiston était au milieu et puis il pleurait. Il pleurait parce que papa et maman s'étaient disputés. Voilà pour l'histoire. Mais ça arrive très rarement parce qu'en fait en bateau, il faut vraiment bien s'entendre. Mmh. Parce que ça peut partir vite en cacahuète. Voilà, en cacahuète. Voilà les enfants, voilà maîtresse. Ça nous a fait plaisir de répondre vraiment à vos questions. Voilà, ouais, ça nous a fait vraiment plaisir, c'est très agréable. Et puis on vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Je crois que ça va bientôt se terminer. Oui, on espère que vous allez nous envoyer votre chanson que vous avez appris aussi. On met en description le lien de votre page Facebook. Et on vous fait plein de gros bisous. Plein de gros bisous. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là. On est là, en Guyane, aux Antilles, ou en Australie, ou quelque part dans le monde. Vous pouvez nous contacter en privé, si vous voulez, par Messenger, il n'y a pas de souci. Voilà, bisous. Tout le monde.